Imprimante 3D SLS, comment ça marche? Le frittage sélectif par laser est un procédé de fusion sur lit de poudre qui utilise un laser haute puissance pour friter de petites particules de poudre de polymère, principalement du nylon. Une fine couche de poudre est distribuée sur la surface de la plateforme d'impression à partir d'un récipient d'alimentation. La chambre et le plateau d'impression sont chauffés juste en dessous de la température de fusion du plastique. Cela permet au laser de solidifier plus facilement la pièce. Le laser dirige son faisceau vers le système de scanner qui se compose d'un miroir commandé par un système de moteur Galvo. Le faisceau trace la première couche de la section transversale de la pièce et chauffe la poudre jusqu'au point de fusion du matériau. Les particules sont ensuite frittées ensemble. Le plateau descend d'une couche dans la chambre d'impression, généralement d'environ 200 microns. Le processus se répète jusqu'à ce que les pièces soient terminées. Lors de l'impression, la poudre non fondue supporte les pièces solidifiées, ce qui élimine le besoin de structures de support. Une fois le processus d'impression terminé, la chambre d'impression doit refroidir pour assurer des propriétés mécaniques optimales et empêcher la déformation des pièces. Les pièces finies sont retirées de la chambre d'impression, séparées et tout excès de poudre est retiré. Les pièces imprimées en SLS sont naturellement granuleuses. Si nécessaire, elles peuvent être traitées par exemple par polissage à la vapeur ou par microbillage. Besoin de pièces imprimées en 3D de qualité? Téléchargez vos designs sur le moteur de devis instantané Xometry et obtenez votre devis.